Bonjour les amis de la French Tie Touch. Bienvenue sur la saison 5, c'est l'épisode 2 et nous sommes à Ayutthaya. Je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Come on, buddy! Let's go! Mais il paraît que c'est paradisiaque la Thaïlande. Hein? Suivez-nous pour un voyage magique. Un road trip en Mercedes Vito épique. Au départ de Bangkok, notre périple commence. À travers les paysages, notre cœur balance. Attachez vos ceintures. Laissez-vous guider par notre aventure. À bord de notre Mercedes Vito, notre compagnon fidèle, partons ensemble vers des horizons sans appel. Ayutthaya, ancienne capitale de la Thaïlande, est une ville riche en histoire, culture et beauté. Située à environ une heure de route de Bangkok, Ayutthaya est célèbre pour ses temples et ses palais en ruines, témoins de l'ancienne grandeur du royaume du Siam. La ville est entourée de rivières et de canaux, ajoutant à son charme pittoresque et offrant une vue imprenable sur les temples depuis l'eau. En plus de l'héritage historique, Ayutthaya offre également une cuisine délicieuse, une expérience de marché local authentique et une ambiance de détente pour s'échapper de la vie trépidante de la ville. Découvrez la beauté et le charme d'Ayutthaya dans cette vidéo immersive. A few moments later. Situé à quelques kilomètres au sud d'Ayutthaya, le Wat Wai Chai Mongkoy est un temple construit à la fin du XVIe siècle par l'un des plus grands rois d'Ayutthaya, Narasan le Grand. Aujourd'hui, il est devenu le temple historique le plus important et le plus célèbre de la ville, attirant un grand nombre de touristes venant des quatre coins du monde. Ayutthaya, ce n'est pas un temple cette fois-ci, mais on fait le tour du marché, l'ancien marché, comme on dit en anglais, Ancient Market. Et voilà, c'est en pleine journée, tout n'est pas encore ouvert, mais c'est pas plus mal, comme ça il n'y a pas trop de monde. On fait ça. Intéressons-nous maintenant aux ingrédients.
des nouilles de riz, soupe d'huile d'arachide, 2 gousses d'ail hachées, du tofu coupé en dés, des crevettes décortiquées, 2 œufs battus, des germes de soja, soupe de sauce de poisson, cuillère à soupe de sucre, café de piment en poudre, soupe de cacahuètes hachées, soupe de coriandre fraîche hachée et quartier de lime pour garnir. Les instructions. Faites tremper les nouilles de riz dans de l'eau chaude pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Écoutez-les et réservez-les. 2. Dans un wok ou une grande poêle, faites chauffer l'huile à feu moyen, vif. Ajoutez l'ail et faites-le revenir jusqu'à ce qu'il soit doré. 3. Ajoutez le tofu et les crevettes et faites-les revenir pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce qu'elles soient cuites. 4. Poussez les ingrédients dans le wok pour faire de la place au centre, puis versez-y les œufs battus. Remuez jusqu'à ce que les œufs soient cuits et incorporez aux autres ingrédients. 5. Ajoutez les nouilles de riz et les germes de soja et mélangez bien. 6. Ajoutez la sauce de poisson, le sucre et le piment en poudre et continuez à mélanger jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés et que les nouilles soient recouvertes de sauce. 7. Ajoutez les cacahuètes et la coriandre hachée et mélangez à nouveau. 8. Servez chaud, garni de quartier de lime. Bon appétit! In French, soja. In English, I don't know. And in Thai, what you call that? Soja? Yes. Yes. Tuanga. Tuanga. ใส่ให้มันเลยนะ
It depends for what? Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de la vidéo. Permettez-moi de commenter ce qui se passe pendant le shooting au marché. Alors, marché, en thaïlandais, ça se dit talat. Et c'est un petit peu le cœur de la vie quotidienne. C'est là où vous allez trouver un peu de tout, comme ici, des ustensiles ménagers, des jouets pour les gosses, forcément des habits, des sacoches. Et il n'y a pas de marché sans nourriture locale. Forcément, vous allez trouver tout à des petits prix. Et alors, ici, c'est en début d'après-midi, donc les commerçants s'activent juste un tout petit peu. On est dans les premiers clients. Ça commence plus vers 16h, 16h30. Voici quelques perspectives, quelques paysages du centre-ville d'Ayutthaya. Je me souviens d'un ami qui était venu me dire bonjour. Je cite, « Eh ben ça va en Thaïlande, ils ont encore des belles voitures et les routes c'est correct. » Eh bien oui, je suis désolé, mais pour moi, la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde. Forcément ici, on est au centre-ville, mais regardez un petit peu les infrastructures. Il y a quand même pas mal, il y a ce qu'il faut. Même pour un premier voyage, vous allez savoir vous démerder grâce à Google, notamment Google est votre ami. Debout depuis 5h du matin, il est l'heure d'aller à l'hôtel. 17h, donc 12h plus tard, je découvre ma chambre d'hôtel. Donc ici avec ma compagne, on a pris un jour de suite pour 2500 bahts. On prend toujours de l'eau avec nous. Sans eau, on est dans la mouise. Hôtel pas mal du tout. Donc ici sur la suite, on a deux balcons. C'est plus retiré du centre-ville. Assez paisible. Et regardez, on est juste à côté de la rivière. Franchement, bien sympathique. J'ai oublié le nom de l'hôtel. Par contre, le prix 2500 bahts. On pourrait croire que c'est beaucoup moins cher qu'à Bangkok. Eh bien non. Ayutthaya est quand même très touristique. Il y a un petit peu des gens de partout de Thaïlande qui se déplace ici, aussi bien des étrangers que des Thaïlandais. Pourquoi?
pour l'aspect historique bien sûr. Les temples, c'est quelque chose de très fameux. Les gens connaissent. Voilà la piscine. Vous connaissez mon amour pour la piscine. Et dans une dizaine de secondes, je vais faire le pitre pour vous. Je vais faire le bonjour de la piscine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâche un commentaire. Abonne-toi pour des offres exclues. Bonjour les gars, bonjour, bonjour. Le bonjour de la piscine. En mode punk. Ouais, on veut du punk, on veut du métal. On en a rien à foutre. On veut du rap. Et alors s'il n'y a pas de la bière, on fait un petit mix. C'est le bonjour de la piscine. Le bonjour pour les petits cocos, pour les petites cocottes. Et elles sont nombreuses. Permettez-moi une petite latte, quoi. Ça va de bon cœur. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Le placard, le plongeon, le placard, le plongeon. Le bonjour de la piscine avec un placard. Le placard à Bibi. Allez, en vous remerciant, bonsoir. I just bought a Benz. I just bought a Benz. Il paraît que c'est paradisiaque la Thaïlande, hein.